Tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo, mais le format va être un petit peu différent parce que, parce qu'en fait, je l'avais enregistré et mon micro a rendu l'âme. Donc le son est juste insupportable là. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu le tirage que j'ai fait. Mais avant ça, je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que j'ai pu recevoir, mais aussi le soutien de la part des collègues, mais aussi voilà de vous, parce que là, c'est vrai que je suis à mon troisième déménagement, donc ça a mis un petit peu de temps. Pareil, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme avec deux vidéos par semaine. Hein, une vidéo pour le Québec, une vidéo pour la France. Honnêtement, là, ça va se compliquer un petit peu parce que demain, je commence les cours. Ah, ça va être aussi toute une affaire, ça. Et puis voilà. Ceci dit, là, voici un petit tirage concernant la politique française et son avenir. Donc, actuellement, il se retrouve dans une situation extrêmement compliqué, extrêmement tendu. Nous sommes dans une situation de frustration, mais aussi de colère, parce que tout ne peut pas se passer comme eux le souhaitent. Ils ont, excusez-moi du terme, mais ils sont vraiment dans une situation très délicate. Ici, dans la difficulté, nous avons le cavalier, la croix et le cœur. Donc, quand effectivement on pourrait voir le cœur, on se dit, ah, le cœur battant, ça va aller, tout ça. Eh bien, pas vraiment, parce que là, nous sommes dans la difficulté, et effectivement, nous avons l'annonce, mais aussi un nouveau départ, hein, par rapport à la croix, quoi qu'il arrive, ça doit arriver, et justement, le cœur arrêtera de battre. Ici, nous avons les documents, nous avons les dossiers, nous avons aussi peut-être certaines procédures qui pourraient être amenées à arriver, hein, et qui seraient en lien avec la santé. Donc, à ne pas oublier que la santé commence aussi des racines de l'arbre et qui monte jusqu'en haut de l'arbre. Donc, il y a des choses qui vont sans doute aussi revenir, peut-être, qui doivent dater aussi de certaines choses, mais aussi certaines choses qui pourraient être amenées de la part peut-être de l'international, de la justice. Il y a des documents qui vont sortir. Certains ont déjà été sortis, il y en aura d'autres, et on n'a pas encore fini tout ce chapitre. Ceci dit, eux se retrouvent dans une situation extrêmement complexe, car ça ne se passe pas comme ils le voudraient. En ce moment, ils sont dans une situation un petit peu d'entonnoir. On joue avec eux. Il y a du mensonge, mais il y a aussi de la manipulation entre eux. Alors, quand je dis entre eux, ça peut être aussi sur l'international, comme ça peut être aussi avec la justice contre justement le gouvernement, mais aussi peut-être d'autres personnalités bien plus influentes. Et il y a des choses sombres qui vont s'amener pour eux. Donc, ils vont rentrer dans une phase qui va être, là, effectivement, elle a été délicate. Là, elle s'annonce vraiment extrêmement délicate. Ici, nous avons le choix, le chemin, la prise de décision aussi qui va être amenée. Nous avons le bouquet. Le bouquet, dans le normand, peut être aussi une invitation, comme peut être le cadeau. Et là, nous avons le cercueil. Donc, la prise de décision qui vont être, enfin, qui va être amenée, que peut-être aussi ils n'auront peut-être plus le choix, de devoir arrêter, car le cercueil va se refermer. Leur prise de décision sera leur dernière de toute façon, parce que là on arrive à la fin d'un chapitre. L'arrêt du cœur, les documents qui arrivent, qui reprennent de la racine, mais aussi de la racine de la politique française, les choses qui sont amenées contre eux, et là c'est pas du tout des choses positives, vraiment. Et effectivement, nous avons la prise de décision qui va devoir arriver, et qui refermera ce chapitre, qui refermera ce cercueil aussi. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, je crois, qui doit dater peut-être de... Ouais, je sais même plus, ça doit être juste avant l'été ou quelque chose comme ça. Je vous invite à aller regarder ces vidéos-là. De toute façon, je ne vous apprends rien, parce que c'est... Beaucoup de mes collègues l'ont déjà dit, mais moi aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est important voilà, de se serrer les coudes, et parce que là, c'est la dernière ligne droite, mais la dernière, pardon, la dernière ligne droite peut être aussi compliquée.
Donc voilà, c'est très important de rester encore une fois vraiment soudé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben non, écoutez, moi je vous fais une bise et je vous retrouve sans doute la semaine prochaine. Prenez soin de vous et j'espère que d'ici là j'aurai un nouveau micro. Et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Bise.